On écrit sur les murs les noms des résistants, des modèles pour les gens de maintenant. On écrit sur les murs à l'encre de leur sang, leur sacrifice et leur dévouement. Partout autour de nous, les traces de leur courage sur les pages. Rappelons-nous leur visage, gardant la vie. Sur les affiches de propagande, sur les croix gammées, avec des bâtons de charbon, j'écris ton nom. Sur les toits des chambres à gaz, sur les corps des déportés, sur les planches des wagons, j'écris ton nom. Sur le champ de bataille, sur le front et dans les maquis, sur les murs des prisons, j'écris ton nom. Sur ta fraternité et ton courage, sur ta force de patriote, sur ton tour d'horizon, j'écris ton nom. Sur les trains déraillés, sur les rails sabotés, sur les messages codés en chansons, j'écris ton nom. Sur toutes les tombes, sur les fleurs des cimetières, sur les larmes de notre pardon, j'écris ton nom. J'écris ton nom, j'écris ton nom. Sur les mémoires des gens, sur les cœurs des survivants, sur toutes les saisons, j'écris ton nom. Sur la France libérée, sur les tracts distribués, de toutes les façons, j'écris ton nom. Sur les livres d'histoire, sur toutes les pages blanches, sang, encre, crayon, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, nous sommes en vie, libres de te connaître, pour te citer Résistance. Thank you.
Devant ces soldats, ma joie fait ma peine, le diamant de mon esprit éclate. Je suis seule face à mon destin. C'est la fin, je ne meurs pas pour rien. La mort sera ma liberté. Je suis un homme, j'ai peur, j'ai une famille, elle est ma force. Mais mon visage reste de glace. La France est trahie, la France ne sort plus. Elle est en marche. La France est soumise au maréchal Pétain, la France est dominée par les nazis. Le travail forcé est imposé aux Français, et la propagande et l'antisémitisme de cette France enchaînée, c'est le tourment, c'est l'enfer. C'est la détermination, c'est le courage de ces résistants cachés. N'abandonne pas le combat, ma France, tu es d'une force sans égale. Et derrière la soumission de ton gouvernement lâche et insignifiant, tous ceux qui t'aiment voient ta vaillance. France, notre belle nation, puissante comme une arme et solide comme un bouclier, innocente et vigoureuse, tu ne supportes pas l'occupation. Pour toi, c'est une terrible situation. Tu vas te relever, ma France. Ma France en larmes, le dos courbé contre ton gré, tu vas te libérer de la honte de la collaboration. Français, partageons le même combat. Nous qui ne sommes pas des guerriers, ni des bandits, ni des malfrats, sabotage. Journaux clandestins, chants des partisans, ravivent nos âmes. Notre lumière nous revient. Les hommes de l'ombre combattent pour nous libérer. Et voici que leurs actes nous redonnent de l'espoir. Et c'est de nouveau la France. Une France libre! La bravoure des résistants a emmené la délivrance. La renaissance de la patrie, l'ennemi a le dessous. Ces clandestins, nos amis perdus, s'ils sortent de leur cachette, s'ils risquent leur vie, vont faire gagner la France libérée. Derrière ce nuage de flammes, c'est la nuit qui domine. Derrière ce paysage en ruine, c'est la guerre qui fait rage. Derrière ces soldats de l'ombre, c'est leur âme qui crie en quête de lumière. Cette plume qui a hissé les nazis, voilà qu'elle se bat pour la libération de la France. Cette plume qui n'écrivait qu'au rythme de la vie, celui du temps, de la paix et de l'innocence. Voilà qu'elle se hérisse et noircit. Le sang est devenu l'encre qui la nourrit. Et qu'elle mène un tel combat dans les consciences qu'elle les réveille. Et qu'il n'est plus possible de ne pas répondre à ses appels. Comme la tempête, elle se déchaîne, appelant les révoltés. Luttez et venez vous battre à ses côtés. Mais non, c'est le bruit d'autres plumes, de millions d'autres plumes, bataillant, comme la mienne, à travers tout le pays. Elles combattent au même rythme, le même adversaire, toutes ces plumes. Leur force est celui d'une arme à l'assaut de l'ennemi. Et tous ces mots sèment, dans des millions de cervelles, un même mot d'ordre. Révolte à l'occupant et mort à l'oppression. Pourtant, cette plume haïssait la guerre et écrivait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les hommes. Et des millions de Français luttent dans l'ombre afin que l'ennemi, pour toujours, sombre. Car ces plumes qui haïssaient la guerre résonnaient au nom de la paix. Au rythme même des nuits et des journées. Des nuits et des journées. Pour la victoire et la liberté! Thank you.
Il est seul, seul dans l'immensité d'un champ. Et pourtant, il n'a nulle part où fuir. Il est seul, face à une horde de corbeaux. Il est seul devant leur voracité. Seul, noyé dans ses pensées. Dans ses yeux, une lueur d'espoir. Dans son sourire, un brin de joie. Pourtant, ils vont le fusiller. Français, entends-tu le vol noir des corbeaux qui bombardent? Français, entends-tu les cris des résistants qui se battent? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est le moment. Bientôt les nazis connaîtront le prix de la défaite et du jugement. Montez sur les fronts, combattez l'oppression. Citoyens, sortez de vos caves pour défendre la liberté, la vengeance. Oui, résistants, luttez, combattez par tous les moyens. Oui, saboteurs, attention aux ennemis de la France. C'est nous qui la délivrons des bourreaux nazis. Hitler à nos trousses, le régime de Vichy qui nous trahit. Il y a des résistants qui donnent leur vie et parfois leurs rêves. Ici, nous, vois-tu, on combat, on tue et on crève. Ici, tout combattant connaît son devoir et ses sacrifices. Ami, si tu tombes, des millions à ta place se lèveront. Bientôt, le drapeau français trônera en haut des édifices. Résistez, citoyens, bravoure et liberté l'emporteront. Dans cette journée ensoleillée, il y a un homme avec un grand sourire. Derrière ce résistant, prêt à mourir, il y en a des milliers pour l'aider. Mais devant lui, des hommes sombres, prêts à le fusiller. Nous étions 20 et 100. Nous étions des milliers, pauvres ou riches, tremblants de rage, cachés dans les maquis, qui n'écoutaient que leur courage, le cœur battant. Nous étions des milliers, nous étions 20 et 100. Nous nous croyons des soldats, nous n'étions que des ombres. Depuis l'occupation, les dés étaient jetés. Dès que l'ennemi est arrivé, non loin était le danger. Nous ne devions plus jamais revoir la lumière. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. On s'appelait Robert Desnos, Paul Éluard ou Louis Aragon. Certains s'engageaient dans le combat, la lutte ou la résistance. D'autres écrivaient des poèmes. Mais qu'importe leur choix, nous ne voulions plus simplement vivre à genoux. Nous n'arrivions pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent témoigner. Ils essaient d'honorer les morts avec leurs mots. Leur sang coule maintenant dans nos veines. Les Allemands nous guettaient au dehors. La lune réveillait notre courage. En dirigeant nos pas, en illuminant nos âmes, nos vies ne tenaient qu'à un fil. On nous dit à présent que la résistance appartient au passé. Qu'il vaut mieux ne pas s'en soucier. Que nous vivons en temps de paix. Et que nous sommes sur le chemin de la liberté. Mais qui donc sait ce que l'avenir nous réserve? L'obscurité s'est levée. Aujourd'hui, c'est l'été. Nous pourrons chanter leur mémoire pour qu'un jour les enfants comprennent leur devoir. Thank you.
Le soleil brille, des hommes en guerre. Les armes crient, le sang dans l'air. Vite oublié, des hommes par terre. Des hommes perdus, la guerre continue. Un poète qui rentre en guerre, qui ne cache plus sa haine incendiaire. Un poète comme une bombe éclatée. Un poète parvient pourtant à faire entendre sa volonté de gagner. Bien qu'il semble sortir d'un autre univers, il ne parle que de révolte et de colère. Il remplit ses textes de liberté et redonne de l'espoir aux Français. Il redonne de l'espoir aux Français. Les patriotes l'écoutent, ce n'est qu'un poète révolté. Qui transforme les mots en armes et en combat. Contre l'oppression, le murmure des ombres déterminées. Le murmure des ombres déterminées. Et vous, entendez-vous cette voix ? Elle dit : les Français doivent résister. Elle dit : la victoire est à notre portée. Entendez-vous cette voix ? Écrit sur les murs à l'entre-deux leur sang, leur sac.